Je suis heureux de faire découvrir au monde entier un homme prêtre, un prêtre humain. Et à la fin de l'entrevue, je suis sûr que les gens vont se réjouir de connaître un prêtre de nos jours, en 2021. Ben, je vais me permettre de les saluer là, derrière la caméra. Et ça me fait plaisir d'être dans la vallée depuis déjà 2011. Et j'ai été ici 6 ans en 1997, donc ça fait une douzaine d'années que je suis en mission avec du bon monde dans un beau coin de pays. Je vais te demander, où es-tu né? Je suis né au Nouveau-Brunswick. Oh. Oui, à Campbellton, service hospitalier oblige et tradition nouvelle. Mais j'ai grandi dans le beau village de Saint-Alexis de Matapédia, qu'on appelle familièrement le coin de Matapédia-les-Plateaux. Les Plateaux. La population, quand tu es né, c'était quoi? Autour de 1200 de population, je pense, en 1958. Alors, on va établir tout de suite que je n'ai pas de problème avec l'âge. Bravo. Peux-tu décrire ton village? Dans mon enfance, mon village... Plus de quand tu avais 7, 8, 9 ans. Oui, c'est ça. Il y avait deux rues, la rue principale et l'autre. Il y avait la rue principale et l'autre. Oui. Alors, il y a eu des petites rues qui... ont été aménagés, mais malgré l'aménagement, il y a eu la baisse de la population, les commerces locaux à l'époque, donc il y avait une beurrerie, il y avait une quincaillerie, ferronnerie, évidemment, il y avait deux épiceries, et il y avait plusieurs 5-10-15, Mme Rosanna. 5-10-15, ça veut dire quoi, ça? Bien, c'est l'équivalent des dollars à mode aujourd'hui, ça. Mais c'était moins qu'une dollar, c'est 5, 10 ou 15 cents. Alors, 15 cents? Oui, il y a sûrement des gens qui s'en souviennent. Alors, c'était une formule de petites choses pratiques qu'on pouvait acheter, dont les effets scolaires. Alors, donc, c'est un petit village dynamique. C'est un vieux village, c'est-à-dire qui a de l'ancienneté, puisque les... colons sont arrivés en 1860. Donc, c'est un des plus anciens villages de la Matapédia, si on peut dire. Comment se passait la fête de Noël chez vous? Je parle tout le temps enfant, là, quand, jusqu'à 10, 12 ans. Là. Bon. Noël, avant qu'on fasse notre première communion, on était couchés puis on se réveillait juste pour le réveillon. Alors, c'était... Il y avait un réveillon. Ah oui, c'était le réveillon avec les salades, les petits sandwichs, le pâté à la viande de maman, bien sûr. Et puis, la visite de la tante Gemma qui nous réveillait à ce moment-là, après le retour de la messe de minuit. Et quand j'ai vieilli, bien, je suis devenu enfant de cœur. C'est là que j'ai peut-être creusé ma vocation sacerdotale. Alors, là, il fallait... vivre le côté religieux d'abord, avec la fameuse messe de minuit, les beaux chants, et toute la famille paroissiale qui était rassemblée. Alors ça a été pour moi des moments qui restent gravés. Et à une certaine époque, j'ai suivi des cours de piano et un petit peu d'orgue. Alors je touchais l'orgue occasionnellement pour les messes de Noël ou quelques autres célébrations. Les anniversaires, tes anniversaires à toi, est-ce que c'était fêté un peu? Oui. Alors, on était privilégiés d'avoir beaucoup d'affection puis de souligner les moments. Et donc, c'est sûr, à la naissance, c'est une arrivée spéciale. Donc, on renouvelle ces anniversaires-là. Puis beaucoup plus tard, quand je suis devenu prêtre, ça a été un autre anniversaire pour moi, celle de mon ordination. Et puis, inutile de dire qu'il y avait des beaux gâteaux, des belles chandelles à souffler, faire des vœux. Petite parenthèse, j'ai gardé cette tradition-là de faire un souhait avant de souffler une chandelle. Puis comme dans les églises, il y en a-tu de la chandelle, hein, puis des lampions. Alors, quand je baptise un petit bébé,
Je dis aux gens, là, avant de souffler la chandelle, là, bêtement, banalement, faites donc un souhait. Et les gens souffrent, mais d'une façon très recueillie. Et pour moi, c'est une manière de jouer le quotidien dans nos rites qui doivent rejoindre le naturel. Une flamme qui s'éteint, c'est une place pour une autre flamme qui s'allume à l'intérieur. Alors, il faut que ça soit porteur de ce qu'on a au-dedans. Peux-tu nous parler de tes grands-parents? Oui, je peux te parler de mes grands-parents. Les Blaquières étaient donc juste à l'arrière de notre maison familiale. C'est la maison des grands-parents. Et donc, c'était des gens vaillants, des gens qui travaillaient fort. Mon grand-père avait le petit hangar là, pour garder les chevaux, là, je cherche le nom, l'écurie. Alors, à l'époque, juste en face de l'église, les gens venaient porter leurs chevaux à l'écurie pour les laisser reposer, les faire manger. Donc ça faisait partie de la vie communautaire. Et mes grands-parents Dufour, maternels, alors ils avaient la caisse populaire à la maison. Ils ont même, pendant une nuit, vécu un vol armé. Wow. Ouais. Mon grand-père était attaché, puis quand les bandits sont partis, il s'est détaché et il est allé à la centrale téléphonique, parce qu'à l'époque, c'était des opératrices qui mettaient des petites touches là, pour donner les appels. Alors, c'était vraiment un autre monde, une autre époque. Mais ils ont été sains et saufs, tout le monde, c'est ce qui compte. Tes grands-parents, si tu pouvais dire quel héritage qu'ils t'ont laissé à toi? C'est un héritage de foi, particulièrement pour ma grand-mère Dufour, qui est une Bérubée de son nom de naissance. Et cette grand-maman-là m'a donné un clin d'œil, ou j'appelle ça, moi, un clin d'œil. Longtemps après sa mort, moi, elle est décédée, j'avais 4 ans. Je garde un souvenir d'elle particulier, affectueux, les galettes à grand-maman. Puis elle prenait des petits couvercles de peau de crème. Puis elle les faisait tourner comme une toupie. Elle nous amusait, elle s'amusait à 4 pattes avec nous autres. Alors ça, c'est des beaux souvenirs de grand-maman. Et elle est du 17 mars, une date assez facile à retenir pour les Irlandais. Et un 17 mars, j'appelle ma maman pour lui dire « c'est la fête de grand-maman aujourd'hui ». Et ma mère me dit « ben oui, elle aurait 107 ans aujourd'hui ». Et la journée passe. Et moi, je me dis, bien, heureusement, à 107 ans, elle est bien, elle se repose. Et sur l'heure du midi, il y avait une émission avec Gilles Latulippe et Mme Lapointe, les démons du midi. Et ils ont dit, on a un invité spécial aujourd'hui. Alors, M. Chose, qui a 107 ans aujourd'hui. Et en regardant la caméra qui s'approchait, puis on voyait les yeux de cet homme quand même vénérable, alors, c'est comme si ma grand-maman me regardait, me disait, mon petit gars, si le bon Dieu voulait que je sois là en physique, je pourrais y être encore. Mais je suis là d'une autre manière. Mais c'est ça, c'est des souvenirs. C'est un beau souvenir. De tes parents, parle-moi de tes parents. Mes parents, mon père était commis comptable dans une quincaillerie. Et puis, engagé socialement. Ma mère était professeure de profession. Elle a repris l'enseignement après nous avoir élevés, comme on dit, jusqu'à l'âge de 9-10 ans. Et puis, pour elle, c'était un besoin de reprendre contact avec d'autres enfants. Elle était très appréciée. Elle a fait la finale de sa carrière à la polyvalente de Matapédia. Et je rencontre encore des jeunes, depuis son décès, il y a quelques mois, qui me parlent d'elle, de sa bonté, de sa présence. Elle aimait particulièrement les élèves en difficulté et elle prenait beaucoup de temps, beaucoup de patience. Puis, on est 4 enfants chez nous et je veux dire, elle n'a jamais fait de différence. Elle avait le fils prêtre. C'est sa vocation, c'est correct, mais si ce n'est pas ta vocation, fais autre chose. Et j'ai un frère qui est concierge dans un hôpital, qui travaille encore avec beaucoup de cœur. Puis j'ai un frère plus vieux qui s'occupe là,
de criminologie, de dépendance aux drogues, et lui, il arrive à sa retraite. Alors, ma sœur était dans l'enseignement, comme sa maman. Alors, c'est une famille où on était marqué par nos parents qui nous ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Parle-moi un petit peu de ton cours primaire. Tu l'as fait à Saint-Alexis? Oui, l'école était juste voisin de la maison familiale. Nous autres, on restait à côté de l'église, à côté de l'école, à côté de la salle paroissiale. Et même à côté du presbytère, il va sans dire. Alors, on était au cœur du village. C'était les Sœurs du Saint-Rosaire. Alors, j'ai fait mes études primaires dans ce beau couvent. Ton secondaire, tu l'as fait où? À la polyvalente de Matapédia, là où maman enseignait. Alors, est-ce que ta mère t'a enseigné à toi? Non. Et je préférais que ça soit comme Elle enseignait quoi, elle? Elle enseignait les sciences religieuses, entre autres, mais surtout aux enfants... Pas handicapés, mais... Mais en adaptation scolaire. Okay. Elle a enseigné l'art culinaire, les... Plusieurs matières, okay. Là, en adaptation scolaire. As-tu un souvenir, là, de que tu peux raconter au secondaire? J'étais pianiste, accompagnateur de la chorale de l'école, qui faisait des spectacles non seulement à l'école, mais qui faisait une tournée parfois à Carleton, à Bonaventure, à Campbellton. À quel âge tu avais dans ce temps-là? J'avais 15-16 ans. Alors, puis tu jouais là, déjà? Oui, je jouais du piano, puis j'ai fait une première partie en accompagnement d'une certaine Edith Butler. C'est vrai? Oui, ça c'est des beaux, des beaux souvenirs chanteuse. Pour moi. Et effectivement. Alors, on avait quelques solistes de la chorale, et moi au piano, il y avait des guitaristes, bien sûr, des drummers. Alors, c'est l'occasion où on fait soit du sport ou on fait des arts à l'école. Le parascolaire, moi, je pense que c'est ce qui devrait avoir encore beaucoup de place et de soutien dans la vie de nos jeunes d'aujourd'hui. Puis je leur souhaite de s'engager puis de découvrir leur talent puis ce qui les fait vivre. Puis... Après ça, tu es allé à l'université. Oh, M. Canuel, avant l'université, il y a le collège. Oui, c'est vrai. Alors, moi, j'avais déjà un appel à vivre une certaine réflexion sur ma vocation, sur ce que je deviendrai plus tard. Alors, je suis allé dans un collège privé qui portait aussi le qualificatif d'apostolé. Alors, collège Saint-Jean-Vianney à Montréal. Et c'est là que j'ai finalement découvert ma vocation, parce que je me suis tellement ennuyé à Montréal. C'était au bout de l'île, là. Je suis revenu après une session. Et là, j'ai fait mon cégep à Rimouski avec un monde beaucoup plus grouillant. Et pour moi, ça a été prendre conscience que des besoins de la mission, c'était chez nous avant d'aller à Montréal. Et je rêvais d'être missionnaire à ce moment-là, de rentrer chez les Oblats. Puis, alors là, ça a été un retournement. Pas total, dans le sens que j'avais toujours un appel à vivre ma foi. Je vais développer cet aspect-là. Mais là, chez nous, à Rimouski, dans le diocèse, ça comprend la belle vallée de la Matapédia, il va sans dire. Puis l'université. Alors, après le cégep, j'ai rentré au Grand Séminaire. Puis parallèlement au Grand Séminaire, où on a une formation cléricale pour devenir prêtre, alors on a aussi une vocation, une formation académique à l'Université Laval. Alors, c'est du sérieux, avec des professeurs vraiment à la fine pointe. Alors, j'ai fait 4 ans d'université, 3 ans pour le bac et 1 année pour la maîtrise. Ça veut dire que je devrais t'appeler maître. Ça serait gentil. Mais au cégep, là, avant d'aller faire des études théologiques, là, as-tu eu des amourettes? Ah, les amourettes, ça a été beaucoup plus jeune, les amourettes. Au secondaire? Même au primaire. J'étais peut-être précoce, là. Alors, vraiment, ce qu'on appelle tomber en amour avec l'amour, finalement, avec ce que c'est que d'attirance puis pour l'autre. Puis le goût de bâtir une famille, un foyer.
Et ça, c'est, je pense, la décision pour moi qui était la plus dure. Je savais que je voulais travailler en pastoral, parler de une ouverture au spirituel, au religieux, à Dieu, sous différentes appellations. J'étais très ouvert là, à toutes les dimensions, puis respectueux des gens qui cheminent, parfois spirituellement, parfois religieusement, parfois simplement humainement, parce que pour eux, il n'y a pas de Dieu vivant, présent. Alors, ça allait. Je savais que je ferais de la pastorale, comme toi, tu as enseigné, tu as pu parler de Dieu dans l'enseignement, selon certains regards. Mais ce qui était plus difficile, c'est de savoir, est-ce que je m'engage comme prêtre? Et prêtre limité au célibat. Alors, ça se pose encore comme question. Est-ce que nous aurons toujours le choix d'ordonner des prêtres simplement dans les célibataires, où on pourra choisir des prêtres aussi parmi les hommes et les femmes mariées ou célibataires. Alors ça, il y a probablement une ouverture qui pourrait se faire, comme chez nos frères protestants. C'était quoi dans ta vie de prêtre depuis 84 la plus grande joie? Ça, j'y ai pensé parce que tu m'avais dit que tu me poserais la question. Et bizarrement, ce qui m'est venu à la tête et au cœur, ça a été ma rencontre avec une danseuse. Une danseuse nue? Ah oui, une danseuse, oui. Oui, nue. Toute nue, toute belle, mais que je n'ai pas vue toute nue, elle, parce que quand elle est venue s'asseoir à la table où j'étais, alors... elle portait son chandail, là, son t-shirt. Sa brassière. Bon, il faut que j'explique aux gens, pour ne pas éviter confusion. Le commérage, qui s'est fait d'ailleurs un petit peu passer cet événement-là. C'est un projet pastoral de l'équipe méchinoise. Alors, les Méchinois, les habitants de Les Méchins, alors, avaient pensé, membres du conseil de pastoral, une activité pour se préparer à Noël. Quel sens Noël a aujourd'hui? J'étais dans les années 90, là, à ce moment-là. Et on a dit, bien, on va faire une rencontre, comme ça, une jasette, sous le titre, sous la coloration. À l'époque, il y avait Jeannette Bertrand qui faisait parler pour parler. Alors, on avait une Violette. Moi, je faisais un Jean, à défaut de faire une Jeannette. Et on avait des gens qui viendraient à table. Puis là, on s'est dit, bien, si on fait ça au sous-sol d'église, on va avoir du bon monde, c'est sûr, mais on n'aura pas le monde pour qui Noël peut questionner, peut avoir un autre sens. Alors, on dit, on va aller chez Baptiste, le bar des danseuses, le resto-bar. Nous autres, on prévoyait d'être dans le resto où il faisait de la très bonne pizza. Puis on a dit, bien, les gens vont venir à côté. Et personne n'est venu. Alors, il y a quelqu'un dans le bar qui est venu me voir, il dit, Marco, on aurait bien aimé participer à ton activité, mais on aime mieux rester dans le bar. Si tu veux venir au bar, on va aller s'asseoir à ta table. Alors, on est allé au bar. C'est là que la danseuse, pendant sa pause, est venue s'asseoir à la table, est venue partager sur le sens de Noël, puis sa foi, puis sa vie. Et est allé te voir, toi, personnellement? Moi et l'équipe. Il savait que tu étais curé, là. Elle savait que j'étais curé. Le curé est au bord de danseuse. Qu'est-ce qui se passe? Et c'était pour qu'on puisse jaser ensemble. Et puis, elle me dit, Marco, parce que les gens m'appelaient de mon prénom, pourrais-tu m'allumer un lampion dans votre église? Il paraît qu'elle est très belle. Et là, Baptiste, et la mission peut paraître particulière, alors le propriétaire dit, ben, vu que c'est M. le curé, je te permets d'aller avec lui un petit aller-retour, 5 minutes, pour la voir, cette église-là. Parce que c'est vrai qu'elle est belle, notre église de Les Méchins. Et tu pourras aller allumer toi-même ton lampion. Alors, la danseuse, habillée, bien sûr, est venue à l'église faire sa prière. C'est, pour moi, émouvant. Puis le Christ s'est tenu avec des danseuses, puis avec des gens de toutes sortes, de toutes catégories, des riches, des pauvres, des jeunes, des vieux. Alors, pour moi, ça a été ma grande joie de rencontrer cette femme-là, puis de penser que mon ministère, là, je pense pas juste à elle, mais des rencontres que j'ai faites avec des jeunes, des vieux, des gens de toute croyance, de pas de croyance,
des gens qui cheminent. On est des humains, on habite la maison commune, comme dit le pape François. Alors, cette planète-là, ben, on veut qu'elle soit belle. On veut qu'on ne soit pas à se disputer sur des guerres, mais qu'on se respecte, qu'on mette le plus de lumière possible. Je souhaite ça pour la Matapédia, mais pour l'univers entier. Bonjour, Mme Pauline. Bonjour. Mme Pauline est partie directement du Liban pour venir dire un petit mot à Monsieur le modérateur. Je vais ouvrir juste une petite parenthèse, là. Je ne suis pas venue direct du Liban pour parler de mon modérateur. Ça fait 28 ans que je suis au Québec. Alors, je pense que c'est quand même très important de le dire. Je suis rendue québécoise. Et j'aime ça. Bravo. Oui. Avez-vous un petit mot à dire à ce monsieur? Ce monsieur prêtre? Ce monsieur prêtre, en tout cas, ça ne fait pas longtemps que je te connais. Mais c'est ta réputation qui a ouvert comme un chemin. J'ai toujours entendu dire que l'abbé Blaquière est bon, qu'il est généreux. C'est resté dans ma tête. Mais on n'avait pas eu l'occasion de travailler ensemble. Hein. On s'est déjà vu peut-être dans quelques réunions au diocèse. Et j'avais été à tes vœux perpétuels. Oui. À la Maison-Mère, oui. On s'était croisés déjà quelques fois. Oui, ça c'est vrai. Mais pendant la pandémie, sur Facebook, quelqu'un a mis une petite vidéo sur l'abbé Blaquière, Marco, je ne sais pas comment je peux t'appeler devant la caméra. Alors, Marco qui chantait ici à l'église pour des jeunes de la catéchèse. Un chant spécial avec des mots adaptés aux enfants. Ça a fait cliquer quelque chose dans ma tête, dans mon cœur. J'ai dit, ça, c'est un pasteur. Alors, quand j'ai su quelques mois plus tard qu'il y avait ici une possibilité de travailler, j'ai tout de suite accepté. Alors, c'est comme ça que ça a commencé. Je ne sais pas si vous avez une question ou bien je peux aller plus loin, là. Moi, j'ai hâte de voir comment ça va finir. Ah! Oh, qu'est-ce qui va finir? J'espère que pas notre collaboration. Non, dans une vingtaine d'années, votre relation. Bon. Ça va durer longtemps, c'est ça que je veux dire. J'espère que ça va durer longtemps. Bien, j'espère. Alors, en juillet, au mois de mai-juin, on a eu une réunion avec l'évêque et le vicaire général pour faire une collaboration, ça veut dire pour travailler ici, là. Pour moi, j'étais très contente parce que je voulais ça. Alors, je redis ma position, je suis coordonnatrice de l'équipe pastorale d'ici, de l'unité, et aussi je suis intervenante pour la catéchèse dans le secteur La Croisée. Alors, c'est seulement depuis le mois d'août, disons juillet, là, qu'on a commencé à travailler, disons, côte à côte. Je ne sais pas si ça se dit, mais... OK? Et je peux dire, pas devant lui, mais en tout cas, là, c'est vrai ce que je pense. Il est très généreux de son temps. Des fois, il dit qu'il est fragile avec sa santé, mais quand je le vois devant les jeunes familles, parce qu'on a eu quelques occasions, la confirmation hier, puis il aime les jeunes familles, travailler, puis être... On dirait que tu as une mission spéciale auprès des jeunes familles. Puis pour moi, des jeunes familles, des jeunes enfants. Pour moi, c'est très important pour la nouveauté, puis comment s'adapter à la nouvelle génération. Alors, quand je t'ai vu sur Facebook, puis ça a déclenché quelque chose en moi, je te le redis maintenant, après 2 mois seulement de, je vais y dire cohabitation, mais ce n'est pas vraiment une cohabitation, parce que j'ai mon appartement, mais je travaille, j'ai un bureau ici au presbytère, puis on se voit souvent. C'est la vie d'équipe, le partenariat. Oui. Un autre point que j'aime spécialement de l'abbé Marco,
peut-être le premier jour ou bien la première semaine qu'on a commencé à travailler ensemble, parce qu'il y a un deuxième prêtre, l'abbé Kindé, il est béninois. Je me rappelle très bien, c'est Marco qui nous a dit, on va faire une pause, on va se rassembler, ça veut dire les employés du presbytère, puis on va échanger sur nous, pas nécessairement sur le travail. En fait, tu nous as même dit, on ne parle pas de travail. Et ça, je pense, pour un pasteur, je pense que c'est un très bon point. Il est tout le temps là, on dirait, puis de bonne humeur. Ça, je dis, c'est un pasteur. Il s'occupe de nous. Est-ce qu'il va chercher la brebis égarée? Ben, c'est qui la brebis égarée? C'est nous. C'est nous aussi. C'est moi. C'est l'abbé Kindé. Pourquoi tu ris? Vas-y, ben oui, dis-le. Parce que des fois, le pasteur peut s'égarer lui aussi. Alors, on s'entraide. Et là, tu as compris le sens du modérateur. Les moments de pause, c'est une boule d'énergie, sœur Pauline. Alors, c'est pour ça qu'il faut aussi prendre le temps de s'arrêter, prendre le temps de respirer. Et c'est pas juste pour les autres, pour moi aussi. Et puis, un autre point, là, il est très attaché. Là, vous allez me dire, ben, bien sûr, il est prêtre, il est ordonné, mais il est très, collé à la parole de Dieu. Ça aussi, pour moi, c'est une qualité d'un modérateur, mais disons d'un pasteur. Parce que c'est pas seulement on lit la parole, puis après ça. Non, il cherche qu'est-ce que ça lui dit. Qu'est-ce que ça lui dit, puis comment on peut la vivre. Je redis le même mot, incarné. On est incarné dans un milieu, dans une culture, dans Amqui, là, ce que vous aimez, avec les orignaux. Alors, c'est ça. C'est toute beauté. Je pense que tu l'as bien cerné. Oui. Et c'est l'image que je voudrais que le monde entier puisse connaître, et tu l'as présenté, et ça va sensibiliser beaucoup de personnes. Mmh. Je te remercie beaucoup. Alors, quand j'ai découvert qu'en mettant la main sur la poitrine, ça tremblait, ça ne fonctionnait plus. Alors, c'est un deuil, la musique, et pour la guitare, et pour le piano.